beau soir de canicule, Léo est assis à la fenêtre sur tour du salon. Du 16e étage, il contemple le paysage urbain. Il y a plus de ciel que de béton vu d'ici. Il observe les nuages épars, le flux continuel du périphérique, les peupliers sur le bas-côté qui poussent vers le soleil, la lumière du soir qui passe entre les feuilles. Au mois de juin, le ciel est interminable. La nappe de pollution habituelle brunit l'horizon. Il n'y a pas un souffle de vent. La fumée monte droit des cheminées de l'usine d'incinération d'Ivry. Elles sont comme deux tornades immobiles. Un avion décolle de l'aéroport d'Orly toutes les 20 secondes environ. Léo attend le moment qu'il préfère. Il respire lentement. Voilà, ça y est, les mercuriales sont en feu. Les deux tours de verre lui renvoient la lumière du couchant. Dans les immeubles voisins, les lueurs bleutées des écrans de télévision s'allument les unes après les autres. Léo pense à sa vie avec Sarah. Il fume leur histoire à la fenêtre du salon. Il aime cette idée de laisser s'échapper leur histoire, qu'elles rejoignent les nuages teintés de jaune et d'orange et les fumées blanches de l'usine d'incinération d'Ivry. Puis il songe au camarade d'études qu'il a perdu de vue. Il revoit chaque visage, la flamme dans le regard de certains. Comme toi, ils doivent être au sommet de leur carrière d'employés de bureau. Comme toi, ils doivent s'être laissés gentiment enfermés dans la fonction qu'on leur a attribuée. Condamnés à la médiocrité, ils se ruinent au travail et engouffrent leur vie dans l'achat d'un clapier tout équipé, à Paris ou en proche banlieue. Léo écrase sa cigarette sur le rebord de la fenêtre. Toujours cette voix en lui qui refuse de se taire. Qu'est-ce qu'il te reste? Qu'est-ce qui tient encore debout? Les mots ne comptent plus pour toi. Le calcul suffit à ta vie. À ce degré de délitement, seul un pas de côté pourrait te sauver. Oui, un seul pas et le reste suivra. Tu partiras un matin comme un somnambule. Tu quitteras ce monde d'ombre sans un regard. Et du jour au lendemain, tu cesseras d'être spectateur. Tu t'aventeras une grande aventure. Et les contraintes de toujours s'effaceront. Le corps d'autrefois s'éveillera progressivement. Tu redécouvriras la route. Tu sauras éviter les itinéraires trop faciles. Sur les chemins défoncés, tu te dirigeras à l'instinct. Il y aura l'allégresse de t'ouvrir à l'imprévisible, l'allégresse de disparaître dans le paysage. Tu verras, la piste débouchera sur les choses que tu voulais. Le ciel est maintenant rouge mobile à l'horizon. Le soleil est en sang. Du haut de son rêvoir, Léo s'amuse à plisser les yeux pour faire trembler le crépuscule. Les pulsations de lumière que tu crées sont les battements de cœur de la ville. Note ça quelque part. Il esquisse un sourire. Des larmes qu'il ne s'explique pas restent planquées au fond de sa gorge. Il écoute la marée constante du périphérique gronder à 650 mètres de là. Sans doute sent-il confusément l'âge des possibles s'éloigner de lui et les occasions de souffrir se multiplier. Il a le souvenir de rencontres fugitives, d'exaltations soudaines et éphémères. Ces petites éternités sont derrière toi. Devant, c'est la fatigue, la souffrance et la mort. Charmant programme, pas vrai? Le tremblement à l'horizon a cessé. La nuit se fait doucement autour de la grande mosquée de Bagnolet, nouvellement construite. Une myriade de réverbères masque maintenant les 3 ou 4 étoiles qu'on devinait à peine. N'oublie pas de faire ta crise de la quarantaine, de célébrer tes 40 nuages comme il se doit. Il y a un siècle, 40 ans, c'était déjà presque la vieillesse. Maintenant, c'est l'âge où l'on sent que la vie commence à nous échapper. À chaque nouvelle année, à chaque début de rien de nouveau, tu passes 2 fois plus de temps à te souvenir que l'année précédente. Les répétitions s'accélèrent, et toi, tu vieillis 2 fois plus vite. Léo ferme la fenêtre, puis il s'allonge sur le canapé bleu du salon. Ce canapé l'accompagne maintenant depuis une quinzaine d'années. Il fut son lit à l'époque où chaque centimètre carré comptait. L'appartement est lumineux, mais un peu trop fonctionnel à son goût. Des pièces si nettes, si carrées. Il a le même âge que Léo. Travaux à prévoir, était-il écrit sur l'annonce. Sur le coup, ça l'avait fait sourire.